What's up YouTube? Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose, mais je me rappelle plus de quoi. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Tout passionné de manga and Dragon Ball Z, eh bien moi, je n'adhère pas à cette série. En fait, je vous explique. Dragon Ball Z, c'est une série que j'ai essayé de suivre sur Netflix, tu sais, donc j'ai essayé de la suivre en regardant la série à la télé. Puis finalement, je me suis dit qu'à la télé, c'était pas ouf. Du coup, j'ai demandé à un de mes potes qui, lui, avait les livres de me les prêter. Comme ça, je me suis dit, si je les lis logiquement, je vais mieux comprendre la série. Et j'ai vraiment rien pigé. En plus, moi, faut savoir que dans Dragon Ball Z, nanana, je confonds tous les personnages. Une fois, j'ai un pote, il avait dessiné Son Goku. J'ai été dans le commentaire, j'ai fait, ah, il est bien fait, ton Vegeta. Ah, je te jure, il est venu le lendemain, il m'a vu, il m'a tapé, j'ai pas compris. Même si Dragon Ball est quand même l'entreprise, le manga le plus vendu de tous les temps, le meilleur qui n'ait jamais existé sur Terre. Par contre, il me semble que les Américains avaient fait une reprise de Dragon Ball. Ça s'appelait Dragon Ball Super ou Dragon Ball Evolution, je sais plus. Franchement, ne regardez pas le film, parce que c'est une pure merde. Ils ont pris un blanc pour faire Son Goku. Franchement, si vous kiffez Dragon Ball, n'allez pas voir ce film. Parce que... N'allez pas le voir, quoi, c'est tout. Sinon, j'aime tous les mangas, hein. Death Note, One Piece, One Punch Man, je les aime tous. Même les éditions de 1977, je les aime bien. Quand je te parle des éditions de 77, je parle bien évidemment de Captain Albator. La série inoubliable. Demande à ton père, forcément, il va te répondre Captain Albator. C'est la base. Bon, sinon, je vais vous parler quand même des trois catégories principales de manga. Alors, en numéro 1, on a les shinen. Ça, c'est pour les garçons. En numéro 2, on a les jojo. Ça, c'est pour les filles. Et en numéro 3, on a les hentai. Pour, va chercher sur Google, va chercher. Je te jure, les dessinateurs, je sais pas ce qu'ils ont, mais dans les hentai... Ils se tapent des délires, hein. Mais je te jure, les dessinateurs, ils ont un esprit hyper malsain. Hyper malsain. Malsain. Hentai. Malsain. Ah, je suis permis. Dans un hentai, ne fais jamais tes lacets. Trop de risques. Trop de risques. Si tu fais tomber un truc, ne le ramasse pas. Ce n'est pas une bonne solution. Allez. Ah oui, il y a une quatrième catégorie de manga. La quatrième catégorie, ça s'appelle... Abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi.